Bon, parce que la bilakoro on voulait la capter, donc on voulait la capter à la d'appeler de faire faire en bougeant ça, bon, on fait un ni musulman mais signé le coro à Tifuru, bon, allez signer là ou bien à la bouchina. Koneye nyamaye bana mosolu maisigi koneye nyamaye nene kama nyama yake ni mwana yale nyama nale nyama nale ne baba nale na soyeni nyama nale ne nyama nale Chez nous, ici en Afrique, l'excision, c'est inévitable chez nous. Quand une femme n'est pas excisée, on ne peut pas la considérer comme une vraie femme. Oui, j'étais déjà marié, mais j'ai trouvé qu'elle n'est pas excisée. Je lui ai dit, donc si c'est comme ça, il faut aller chez vous, chez tes parents. Il faut procéder par l'excision d'abord et après, ça peut aller. Ça peut aller. Elle a accepté. Bon, ça a coulé beaucoup d'encre et puis finalement elle a accepté parce que je veux pas une femme qui n'a pas excisé. C'est pas mon plaisir. C'est trop de tabous chez nous en Afrique ici quoi. Donc une femme non excisée n'est pas acceptable dans un foyer. Donc, finalement, elle a fait l'excision. Finalement, elle est partie chez ses parents. Donc, elle doit faire ça obligatoirement. Qu'est-ce qu'il y a de non, lui, donc nous faisons un soin. Il y a des gens qui ont fait des choses. Donc, quand une femme n'est pas excisée, on la considère comme une femme bilakoro. Vous m'excusez le terme, une fille, on dit bilakoro, ça veut dire en bambara ça veut dire bilakoro.